Écoutez cette histoire que l'on m'a racontée. Du fond de ma mémoire, je vais vous la chanter. Elle se passe en Provence, au milieu des moutons, dans le sud de la France, au pays des cent ans. Dans le sud de la France, au pays des cent ans. Quand il vint au domaine, il y avait un beau troupeau. Les étables étaient pleines de brebis et d'agneaux. Marchant toujours en tête, aux premières lueurs, pour tirer sa charrette, il mettait tout son cœur. Pour tirer sa charrette, il mettait tout son cœur. Au temps des transhumances, il s'en allait heureux, remontant la Durance, honnête et courageux. Mais un jour de Marseille, des messieurs sont venus. La ferme était bien vieille, alors on l'a vendue. La ferme était bien vieille, alors on l'a vendue. Il resta au village, tout le monde l'aimait bien. Vaillant malgré son âge et malgré son chagrin, image d'évangile, vivant d'humilité, il se rendait utile auprès du cantonnier. Il se rendait utile auprès du cantonnier. Cette vie honorable, un soir, s'est terminée. Dans le fond d'une étable, tout seul, il s'est couché. Pauvre bête de somme, il a fermé les yeux. Abandonné des hommes, il est mort sans adieu. Abandonné des hommes, il est mort sans adieu. Cette chanson, sa gloire, vous racontez la vie, vous racontez l'histoire d'un petit âne gris.